Alors, l'école maternelle, c'est vraiment un objectif majeur. Tous les enfants sont de futurs écoliers, y compris les enfants autistes. Donc, ça se prépare très tôt, déjà. Et ça se prépare très tôt, je dirais, dès 12-18 mois, vous voyez, cette socialisation qui va être nécessaire, c'est-à-dire l'inclusion dans des jeux avec d'autres enfants. Bon, c'est déjà le parc, les jeux dans le parc, et puis aussi la crèche. C'est très important que la crèche, le jardin d'enfants, en tout cas cette vie en collectivité qui va être organisée et soutenue pour aider l'enfant à s'inclure de manière positive dans un groupe social. Parce que l'école, c'est le lieu où on apprend, mais c'est aussi le lieu où on est avec d'autres. Et le plus difficile pour les petits écoliers à l'entrée de l'école maternelle, et c'est d'être avec les autres quand ils ont de l'autisme. C'est pas forcément pour apprendre. Vous voyez, il y en a qui vont pouvoir apprendre même plus vite que leurs copains, mais être avec les autres, ça va les empêcher de penser à la bonne vitesse. Et puis surtout, ils vont être contraints de supporter ces règles sociales auxquelles ils ne peuvent pas forcément s'adapter très, très facilement. Encore une fois, c'est pas parce qu'ils ne sont pas obéissants, mais c'est qu'ils peuvent pas, ils ne comprennent pas, ils sont perdus. Et les autres peuvent être déroutés aussi par cet enfant qui ne fait pas la même chose qu'eux, qui ne parle pas de la même manière. Donc c'est très tôt, mais tout de suite dans des petits groupes. La crèche et toutes ces activités, entre guillemets, de groupe, de partage, vont être très importantes pour démarrer ce développement social.